Bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution, des opérations, et enfin, ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. Trois courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans ce hors-série Rémi Aubert, président et cofondateur d'AB Testy, la solution d'AB Testing et de personnalisation en mode SaaS. Alors bonjour Rémi, la première question qui vient est bien sûr au sujet d'AB Testy, ton entreprise. Quels sont les impacts et les conséquences de la crise actuelle pour vous ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. L'impact et les conséquences, je dirais qu'on est au milieu du guet, un peu comme toutes les entreprises. C'est-à-dire que le Covid, on l'a vu arriver, on ne l'a pas vu arriver. On a vu déjà le phénomène en Chine d'abord. On s'est dit, est-ce que ça va venir chez nous ? Oui, non, peut-être, etc. Bon, donc tout le monde s'est retrouvé un peu dans l'expectative sur les deux mois qui viennent de s'écouler, jusqu'au moment où ça a été très concret. Je dirais le soir où Édouard Philippe a dit on ferme les bars, les restos. Et là, pour le coup, tout le monde a commencé à se dire ah, d'accord, l'impact business du Covid, il est évident, il va arriver. Et donc, on est tous depuis cette période-là, je dirais encore un peu dans la période de gueule de bois. Ça veut dire qu'on est tous à se dire mais qu'est-ce qui va se passer post-confinement, post-Covid au global, et d'ailleurs le post, on ne sait même pas quand le situer, parce qu'on se dit, bon, est-ce que c'est une crise qui va durer, pas durer, est-ce qu'il va y avoir des allers-retours de confinement, etc. Donc tout ça, ça reste un peu dans l'imprévu. Donc les conséquences business, en fait, on navigue tous un peu à vue. Concrètement, pour vous, les clients, ils ont suspendu les projets qui étaient en cours avec vous. Comment ça se passe ? Alors concrètement, non, justement, en fait, la première dynamique de tous les clients, ça a été de se jeter sur notre plateforme, entre guillemets, puisque nous, notre plateforme, ce qu'elle permet, c'est de mettre des messages en ligne facilement, sans connaissance technique et rapidement. Donc en fait, toutes les informations que les commerçants ont dû diffuser pour prévenir de est-ce que leur site continue à opérer, est-ce qu'ils continuent à livrer, comment vont se passer les politiques de remboursement sur le voyage, etc. Tout ça, ça a été mis en ligne grâce à AB Testy en quelques fractions de seconde. Donc, je dirais que l'impact business immédiat, ça a été presque une surutilisation de la plateforme pour faire tout ça par nos clients. En revanche, les projets de fonds qu'eux pouvaient avoir sur de la segmentation d'utilisateurs, de la segmentation de visiteurs, etc., tout ça forcément s'est mis en pause, parce que le message coronavirus est tellement généralisé qu'on n'est plus du tout dans une approche de personnalisation. Donc le premier impact business, je dirais, il est message de nos clients, utilisation de la plateforme. Ensuite, quand on prend plus concrètement secteur par secteur, forcément, il y a des secteurs qui nous sont plus impactés. Le voyage, ça représente environ 10%. Qu'on arrive sur le secteur, je reste sur AB Testy. Ouais. Vous avez observé une chute du chiffre d'affaires sur le mois de mars ? Non, nous, on est relativement à l'abri de ça. Nous, on est sur un modèle d'abonnement. Ouais. Donc, en fait, le modèle d'abonnement, il est plutôt préservé versus un e-commerçant qui vendrait au jour le jour. Donc là-dessus, nous, on n'est pas vraiment impacté. En revanche, le pipe commercial, j'imagine, et lui, se tarit, non ? Alors, il se tarit pas, mais par contre, les projets sont repoussés, beaucoup. Je dirais qu'il y a eu 25, enfin beaucoup, pas tant que ça, puisque finalement, le mois de mars, c'est la fin du trimestre quasiment. Donc, on avait déjà signé pas mal de choses, mais je dirais que 25% des projets ont été reportés à peu près, et 5% annulés purement et simplement. Donc, reportés s'il n'est lié, mais on verra plus tard comment ça se gère. Et après, le pipe sur le... Ouais. Ouais, le pipe pour l'instant, il y a pas d'alerte pour vous. Il y a un report. En termes d'organisation de l'entreprise, comment vous avez fait ? Vous êtes sur plusieurs sites, vous êtes dans plusieurs pays. Ouais,
nous, on est 250 dans 6 pays. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est déjà pas mal habitué au télétravail. Le télétravail, on l'avait imposé avant même le confinement en France. Ça veut dire que nous, on avait déjà des salariés à Singapour, typiquement, qui avaient déjà, eux, vécu le confinement avant que la France le soit. Et en fait, quelques jours avant le confinement français, nous-mêmes, on avait déjà imposé à l'ensemble de nos bureaux, l'ensemble des pays, de travailler à distance. Donc, on avait eu le temps de se préparer. On savait déjà travailler en télétravail, mais là, il fallait juste avoir quelques réflexes supplémentaires. Et sur le plan purement opérationnel boulot, ça ne nous a pas trop gênés. Ok. Alors, revenons maintenant sur les aspects plus marché. Tu commençais à évoquer les secteurs. Qu'est-ce que tu peux dire alors justement par rapport à ça? Bah, le secteur du voyage, bon, forcément, il est le plus impacté. Je pense que tout le monde le voit. Chute drastique du nombre de commandes. Grosse interrogation des personnes qui avaient commandé des voyages sur est-ce qu'on peut être remboursé, est-ce qu'on peut décaler. Alors, si tout le monde demande à être remboursé, c'est sûr que ça met au tapis l'ensemble des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Donc on a eu, nous, des premières demandes de, malgré le fait qu'ils ont mis des informations en ligne via notre plateforme et tout, de suspendre l'abonnement pendant 1, 2, 3 mois. Bon, nous, c'est des demandes auxquelles on a répondu. Alors forcément, on n'est pas là pour profiter de la situation vis-à-vis de nos clients. On a juste dit, bah, on s'inscrit dans le long terme avec vous. Donc dans ces cas-là, pas de souci à mettre en pause et puis on repart ensuite sur une année. Donc cela principalement. Après, sur tous les autres, e-commerçants, là, pour le coup, on est dans une situation qui est un peu exceptionnelle, c'est que le e-commerce est en pleine explosion. On vit presque des périodes de Noël, voire mieux. Alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que il y a différents types de remontées. Entend des e-commerçants dire que c'est dur, que ça a été dur au début et puis que ça remonte doucement. D'autres qui disent que les ventes augmentent sensiblement. Qu'est-ce que tu peux préciser un peu les données que tu as à ces sujets-là? Bah, moi, je ferais une séparation entre ceux qui sont des pure players et ceux qui ne le sont pas. En fait, ceux qui sont pure players ont une augmentation de leur trafic qui peut aller de 30 à 50%, ce qui est quand même assez significatif, avec une augmentation des ventes qui est liée. En revanche, ceux qui ne sont pas pure players, comme ils ont fermé toutes leurs boutiques, eux, ils ont une augmentation du trafic qui est quasiment de 100%, puisque les gens se rabattent essentiellement sur le site internet. Donc les e-commerçants, finalement, les retailers traditionnels, ça ne compensera jamais ce qu'ils auraient pu vendre en boutique. En revanche, il y a quand même une très nette augmentation de leur trafic, de leurs transactions en ligne, etc. D'accord. Donc, le split, il est plutôt à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui sera un e-commerçant traditionnel, pure player, marque, je dirais pas forcément très connue ou très grosse, c'est sûr que je dirais que la proportion d'augmentation du trafic ne va pas vraiment être révélatrice pour lui. Par contre, toutes ces marques très connues en France ou à l'étranger qui ont pignon sur rue ou qui sont des pure players ultra connus, eux, il y a quand même une sacrée augmentation. Et ça, tu le constates au travers, quels que soient les secteurs, enfin, en dehors du voyage et bien sûr, hein, des secteurs qui sont traditionnellement, enfin, qui sont principalement touchés. Ouais. Il y a tout ce qui est, forcément, alors nous, il y a l'explosion de tout ce qui est alimentaire, puisque se faire livrer l'alimentation, ça le vend complètement en poupe, tout ce qui est pharmacie, ça le vend en poupe, tout ce qui est beauté aussi, étrangement. Les gens se rabattent pas mal sur ces sites-là, ils ont un très beau taux de conversion, nombre de visites et tout. Tout ce qui est retail plus classique, augmentation, mais augmentation pas excessive, mais là, on n'est pas sur les 100%, mais augmentation quand même significative. D'accord. Comme... Là, vous dites qu'on est dans le 30 et 50%, ce qui est quand même, hyper intéressant, quoi. Bien sûr. Dis-moi, comment, en fait, l'offre d'AB Testi est utilisée, votre proposition de valeur, elle est finalement hyper adaptée aux circonstances? Est-ce que vous voyez des changements dans la façon dont vos clients utilisent votre solution SaaS? Oui, alors les clients, ils l'utilisent, ils n'utilisent pas le plein potentiel parce que là, on est dans une situation exceptionnelle où il n'y a qu'un seul type d'utilisateur à cibler avec qu'un seul message. Donc, en fait, notre proposition de valeur de mise en ligne rapide, facile, sans connaissances techniques, elle est complètement à plein respectée. Après, ce n'est pas le moment des grands projets de se dire, bah, tiens, je vais commencer à segmenter les internautes pour avoir un taux de conversion un peu supérieur sur certains aspects, etc. Ça, ce n'est pas du tout le moment puisque là, on est vraiment dans une information Covid qui écrase tout. Donc, la proposition de valeur qui est la proposition de valeur de base de l'outil, on est en plein dedans. La proposition additionnelle qui est finalement, on va aller chercher sur chacun des segments de marché un petit peu plus par segment. Bon, bah, c'est pas du tout le moment de travailler ça, quoi. D'accord. C'est plutôt des projets qui sont repoussés plus tard. D'accord. Et comment vous maintenez la relation client
aujourd'hui. Je sais qu'il y a une équipe de commerciaux qui œuvre. Comment vous faites? Comment vous maintenez le lien ou comment c'est quoi votre stratégie par rapport à ça? Nous, notre positionnement, c'est qu'on a déjà toute une équipe client hein, qui déjà en temps normal tous les clients au téléphone quasiment toutes les semaines. Là, vraiment, notre boulot en début de Covid, ça a été de partager les best practices avec les clients par secteur d'activité. C'est-à-dire que notre équipe client a créé 10 présentations sur 10 verticaux différents en montrant les différents exemples de mise en ligne qui avaient été faites, quel message avait été diffusé, comment il avait été diffusé. Et on a partagé ça massivement à nos clients. Donc l'idée, vraiment, c'était de partager la connaissance et à une vitesse beaucoup plus rapide que d'habitude, puisqu'en fait, on est dans une situation où tout le monde devait réagir très, très vite. Donc, le fait d'avoir les clients au téléphone, c'est un truc dont on avait déjà l'habitude, ou de les appeler régulièrement, on avait déjà l'habitude. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est plus dans la manière de diffuser l'information à grande échelle et de structurer cette information où notre équipe a été super réactive. Merci, merci Rémi pour ces informations. Et j'ai une dernière question pour toi. La crise sanitaire actuelle génère un bon nombre de changements, que ce soit au niveau de la société, ou au niveau des entreprises, et même peut-être au niveau des secteurs d'activité. Qu'est-ce que tu perçois qui est en train de se passer, qui pourrait perdurer après la période de confinement, une fois qu'on commencera à sortir de la crise? J'ai plusieurs points. Commencer par un premier, c'est le voyage. Le voyage, malheureusement, je pense qu'ils vont mettre du temps à s'en remettre. Tout le monde va privilégier plutôt le local, ce qui est bien aussi, hein, mais le partir pas très loin. Et ça, c'est quelque chose qui sans doute va durer bien 24 mois. Donc ça, c'est, je dirais que les industries les plus touchées maintenant mettront aussi beaucoup plus de temps à remonter. En revanche, les industries qui vont émerger, et je le constate moi ici en confinement, au bord de la mer, c'est qu'en fait, tous les commerces locaux, et spécialement les gens qui vendent des denrées alimentaires, se sont organisés en coopérative un peu pour vendre leurs produits à distance. C'est-à-dire qu'avec la fermeture des marchés, finalement, tous ces marchés, ils ont dû s'adapter. Et là, ils ont créé, alors pas des plateformes très poussées, hein, on télécharge un formulaire, on remplit à la main ce qu'on veut, on scanne, on renvoie, et puis on va chercher deux jours plus tard les fruits et légumes, ces tomates, ces trucs. Mais en fait, ça pousse à la digitalisation énormément de personnes qui n'avaient pas besoin de ça jusqu'à maintenant. Et ça, j'ai quand même tendance à penser que c'est un pas super positif dans la manière de gérer, la manière de faire, et le fait que même des personnes qui, jusqu'à maintenant, ne vendaient qu'avec pignon sur rue, peut-être vont s'intéresser au domaine digital demain. C'est-à-dire que la ruche qui dit oui, c'est quelque chose qui est assez connu, qui marche bien, mais tout le monde ne s'est pas engouffré dedans. Là, j'ai le sentiment qu'il y a finalement des ruches un peu autonomes qui se créent partout. Et ça, c'est, je pense, un truc long terme qui va rester. Bah écoute, merci pour ce message plutôt optimiste et que je partage et que effectivement d'autres aussi ont noté dans les interviews précédentes. Je suis content de t'entendre dire que toi aussi tu l'observes. Merci beaucoup Rémi pour la qualité de cet échange et puis la transparence avec laquelle tu nous as fait part de ton témoignage. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement et puis merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Rémi Aubert de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous. Si vous souhaitez me contacter ou m'envoyer un message, vous pouvez le faire directement au travers du site lesdigitaldoers.com. Merci et à bientôt.